Alright, tabarnak, j'espère que vous allez bien. C'est Coach Sam, j'ai changé ça depuis un bout. Sam B. Mais ça reste que je suis un coach quand même. Et aujourd'hui, premièrement, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis extrêmement en forme. Si vous avez écouté ma dernière vidéo, je vais mettre un petit bon topo de ma situation de vie présentement. Qu'est-ce qui se passe avec moi? On va replacer le micro. Pour vous dire pourquoi j'étais absent pendant plusieurs mois, mais maintenant, je m'y remets. Si je m'y remets, j'ai envie de refaire plus de vidéos YouTube. Et comme vous le savez, dans le passé, j'étais coach Sam B. J'ai encore des entreprises dans le milieu du fitness. C'est encore mon dada, comme on dit en québécois. Donc, ce que j'ai envie présentement, c'est de continuer à faire quelques vidéos sur l'entraînement. Mais comme vous le savez, on va varier le contenu au maximum sur cette chaîne. Lorsque vous êtes en couple, lorsque vous avez un enfant, lorsque vous avez plusieurs compagnies, arrive un moment dans votre vie où c'est plus difficile de rester en shape. C'est plus difficile de s'entraîner à tous les jours, c'est plus difficile de bien manger, surtout quand votre conjointe mange absolument tout ce qu'elle veut dans la vie sans grossir. C'est plus difficile de tenir un bon mode de vie parce qu'on est plus stressé, on est plus occupé, on a plus de choses à faire et on a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte aussi. Donc présentement, je n'ai perdu. J'ai perdu du physique depuis plusieurs années, on peut le dire comme ça. On en a parlé dans le passé, de quoi j'avais l'air dans le passé. On a parlé de stéroïdes, on a parlé de SARM. Et là, depuis plusieurs années, aucune compétition, aucun SARM, aucun stéroïde. Entraînement 3-4 fois semaine au lieu de 7 sur 7. Une alimentation vraiment moins bien. Donc, j'ai perdu de la shape. Mais là, esti, j'ai envie de me remettre en forme. J'ai envie de faire un petit challenge, un petit défi pour moi-même. Et j'ai envie de le documenter à travers mon compte YouTube. C'est pas quelque chose que je vais faire une vidéo par jour. C'est quelque chose qui va être très sporadique. Une vidéo par-ci, par-là. Je ferai pas chier avec mon contenu tout le temps. Mais quand même, j'ai envie, je reste un entraîneur. Je reste, comme j'ai dit, dans le milieu du fitness. Et je pense que pour plusieurs personnes, vous allez peut-être vous reconnaître dans ma situation où est-ce qu'à un moment donné, on s'entraîne beaucoup, tout va bien et il y a des changements dans votre vie, justement une relation, des enfants, le travail et ça fait que vous devez peut-être mettre ça de côté un peu. En ce moment, je vais m'y remettre, je vais avoir différentes choses que je vais parler dans les prochaines vidéos pour dire ça va être quoi ma stratégie en tant que telle. Mais quand même pour moi l'important pour vous dire aujourd'hui c'est que je veux me remettre en forme. Donc, je veux recommencer à faire du cardio 4 à 5 fois par semaine. Je veux recommencer à faire de l'entraînement environ 4 fois par semaine. Je vais faire des documents justement pour vous montrer mon workout au complet. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir en dessous dans la description, vous allez pouvoir télécharger mon workout si ça vous tente. Et je vais vous montrer aussi une journée typique de mon alimentation, qu'est-ce qui va s'en passer avec ça. Donc, anyway, on va avoir du fun ensemble. Commercial, guys! Pourquoi pas vous faire une petite pause pour vous parler de mon produit Dopamax en ce moment qui est mon nootropic pour la concentration et le focus. Mais je suis pas là pour vous parler simplement encore du Dopamax. Je suis pour vous faire une annonce comme quoi le produit change de nom. Le produit va devenir, va avoir la même étiquette, ça va être exactement pareil. Il va venir s'appeler Mind Blow. Comme Blow My Mind. On a des petits problèmes malheureusement avec Santé Canada qui est chez nous au Canada. Comme le registre de la légalité pour les produits. Et on a découvert qu'un produit, un médicament au Canada ressemblait beaucoup à Dopamax. Donc, on a dû, sur leur demande, changer notre nom. Donc, ça va être effectif très bientôt. Mind Blow. On a été le meilleur vendeur Dopamax sur Amazon durant des mois pour la section Nootropic. Donc, pour concentration, focus, énergie. Et on compte bien le redevenir avec la nouvelle formule. En fait, c'est la même petite formule, même saveur, mais avec un nouveau nom, Mind Blow. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse un code promo SAM10 pour 10% de rabais pour vous permettre d'essayer ça. On ship worldwide, on a plein de suppléments. Si ça vous tente, allez sur le lien dans la description. Merci, guys! Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est voir justement ce serait quoi le type d'alimentation que je devrais consommer sur une base quotidienne pour être en mesure d'atteindre mon objectif qui en ce moment serait de perdre du poids. Là, il faut prendre en considération que je n'aurai pas la chance de m'entraîner aussi souvent que je le faisais dans le passé. Donc, ce que je vais faire, c'est me concentrer sur un 4 jours d'entraînement par semaine. Mon programme risque d'être sur 5 jours,
mais je vais essayer de l'adapter en conséquence pour me dire, je veux faire 4 journées certaines d'entraînement. Je vais rajouter à ça du cardio. Mon objectif sera de faire du rower, ok, à tous les jours d'entraînement. Et sera de faire aussi du cardio incliné avec une veste d'entraînement avec du poids. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en aurait dans la prochaine vidéo. Pour l'alimentation, je veux suivre un modèle assez strict. Mais par contre, ça reste un modèle où est-ce que je veux ressembler le plus possible à ce que je fais au quotidien et à ce que vous à la maison pourriez faire aussi. Ce serait quand même d'avoir la possibilité de prendre une petite bière de temps en temps si ça me tente et de manger dans des restaurants si j'en ai l'envie à l'occasion encore une fois parce qu'on est l'été ici au Québec. Esti de calice, on va le dire comme ça, il fait toujours froid au Québec, on n'a jamais de terrasse, on n'a jamais de beau temps. L'été, il faut en profiter. En ce moment, on se rend sur l'Académie des entraîneurs qui est mon académie de formation pour entraîneurs. Je vous le plug juste comme ça. Si jamais ça vous intéresse de suivre nos formations, vous pouvez vous rendre sur le site. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait là? C'est qu'on va se rendre dans outils ici et dans calcul de macronutriments et calories. On va venir calculer combien de calories et macronutriments je devrais consommer sur une base quotidienne pour être en shape. Donc ici, on va faire le petit formulaire. J'ai 27 ans et oui déjà. Je suis un mâle. Présentement, je pèse 165 livres et je suis 5 pieds 7. Pas très grand, vous me direz. Donc ici, on a un BMI de 25,8. On va rester dans le Total Body Mass Formula. On va dire ici que je suis quelqu'un d'actif. Je dirais pas très actif. Je me sens bien actif dans la vie, mais on va laisser ça à actif. Et on va dire que l'intensité de mon entraînement va être vigoureuse. Ce qui veut dire non pas extrême. Je suis pas un méga bodybuilder qui s'entraîne comme un fou. Je m'entraîne pas si mal. On va y aller pour un 60 minutes d'entraînement selon mes journées d'entraînement. Et on va y aller pour un 4 jours d'entraînement par semaine, comme on disait. Mon objectif ici sera, je vais y aller dans un maintien, parce que l'objectif quand même serait de garder ma masse musculaire au maximum, mais de perdre du gras. Présentement, vu que je consomme beaucoup de mauvais aliments sur une base quotidienne, que je prends régulièrement de l'alcool, c'est quelque chose que je pense que dès que je vais me forcer un peu plus à mieux manger, ça va me permettre du même coup d'être en mesure de perdre du gras. Donc, je vais pas y aller dans un fat loss. Mon BMR est de 1682 calories et mon base TDE serait de 2495 calories pour maintenir. Donc, c'est ce qu'on va y aller environ. Je vous dirais qu'on va viser ensemble un 2300-2400 calories. Certains vont écouter et vont dire « Ah, c'est pas beaucoup, c'est très peu. » En effet, je ne suis pas très grand, je ne suis pas très gros. Et quand même, l'objectif, ça va être simplement d'améliorer mon alimentation pour respecter le programme au final et non pas d'essayer de manger comme un fou ou de me priver abusivement. On va trouver une balance, un équilibre là-dedans. Au final, je vais atteindre au moins 1 g de protéines par livre. Pour le gras, je m'en fous un petit peu de ce côté-là. Donc, ça va me permettre de savoir qu'au final, on va manger. Je vais mettre 3 repas par jour. Et ça me donnerait ici environ mes différents grammes. Donc, 272 grammes de glucides qu'on va diminuer. Tu sais, au final, c'est pas vraiment ce que je voulais savoir. C'était plus mon apport en calories que j'aimais mieux savoir ici. Parce que par la suite, je vais me rendre sur MyFitnessPal, le classique pour suivre nos calories, nos macronutriments. Personnellement, je vais utiliser ma propre application mobile avec Projet Physique qu'on a créé, qui a un modèle comme MyFitnessPal que je vais pouvoir vous montrer aussi durant le processus. Mais tout de même, pour le bien de la vidéo, et puisque le 3/4 d'entre vous n'ont sûrement pas accès à mon application qui est payante, on va y aller avec un modèle gratuit que vous pouvez utiliser. Donc ici, on va y aller pour un 2400 calories. C'est ce qu'on va viser. Pour les protéines, je vais atteindre au moins 1 g par livre de corps. Ce qui veut dire qu'on va y aller pour un 25%, au moins un 150 g de... En fait, on va y aller pour un 30%, c'est-à-dire un 180 g de protéines à tous les jours. Pour mes lipides, on peut y aller pour un 30 g. Donc, il nous reste là-dedans un 40. Je pense qu'on va diminuer ça à 30 pour les glucides et monter mes lipides à 40. Donc, l'objectif ici quand même, c'est de ne pas me priver, comme je l'ai dit plus tôt. Je ne ferai pas low carb. L'objectif, c'est juste d'améliorer la qualité de mes aliments. 180 grammes pour quelqu'un comme moi n'est pas nécessairement beaucoup. Donc, ça va être facile pour moi de suivre ce genre de plan-là.
très haut en lipides, évidemment, encore une fois, 107 grammes, c'est très peu pour mon poids, mais c'est suffisamment pour, c'est suffisant pour moi. Donc, on aurait ici 180 grammes de protéines, 107 grammes de lipides et 180 grammes de glucides pour un 2400 calories. Une chose à prendre en considération également durant mon prochain 60 jours, je ne sais pas si je l'ai dit, ça va être un petit challenge que je me fais durant les prochains 60 jours, donc 2 mois, c'est que je pratique le jeûne intermittent du lundi au vendredi. Les week-ends sont des moments avec ma famille, donc c'est des moments où on va aller au restaurant, déjeuner, où on va justement manger un peu différemment, donc je me permets de pouvoir manger plus tôt. La semaine, pour travailler le plus convenablement de mon côté, pour être en forme. De mon côté, ce que je vais faire, c'est faire du jeûne intermittent que je pratique déjà depuis plus d'un an. Ce qui veut dire que j'arrête de manger environ vers 21h le soir et je ne me permets pas de manger avant midi ou 13h le lendemain. Donc, tout le début de ma journée, lorsque je travaille, je suis sans aucune calorie. Je prends mon Nootropic, je bois de l'eau et c'est tout ce que je fais les matins pour être vraiment ultra focus, ultra concentré. Et du même coup, ça va m'aider à bien suivre mon plan. Le problème que j'avais présentement avec le jeûne intermittent et une famille et un travail et une conjointe, c'était de bien manger, mais manger suffisamment de calories pour être en mesure de conserver ma masse musculaire et du même coup, activer mon métabolisme pour être en mesure aussi de perdre du gras. Donc, mon défi, ça va être de mettre mon 2400 calories en environ 3 repas et je vais me permettre un shake de protéines avec peut-être des glucides à l'intérieur, on verra, une fois par jour également aussi. Donc, 3 repas principaux, mon déjeuner, mon souper, et même là, ça reste d'être 3 repas en tout et partout. J'ai envie de calculer ça. Mon déjeuner et mon dîner. Si vous m'écoutez en France, petit déjeuner et déjeuner pour nous. Déjeuner, c'est le matin. Dîner, c'est le midi. Souper, c'est le soir. Qu'on se suive bien là-dedans. Donc, mon déjeuner et mon dîner vont être en même temps. Un gros repas lorsque je brise mon jeûne. Par la suite, je vais prendre un shake en après-midi. Je vais consommer mon souper, mon repas du soir avec ma conjointe et peut-être me prendre une petite collation en soirée pour être en mesure d'atteindre mes calories. Les premières journées, on va se faire une vidéo ensemble pour vous permettre de suivre justement qu'est-ce que je consomme sur une base quotidienne pour vous montrer un peu comment ça jongle avec ça. Et ce que je vais faire, c'est tenter de mériter mes treats. Donc mes treats, ce sont mes petits plaisirs copieux. Donc si j'ai envie de boire une petite Corona, si j'ai envie de manger un cornet de crème glacée ou peu importe, je vais m'assurer de faire plus d'entraînement dans cette journée-là. Donc, d'augmenter de 10 à 15 minutes mon cardio ou de faire une autre activité physique, aller jouer au tennis, dépenser des calories pour me permettre de plus en consommer. Donc, c'est un principe que je veux travailler dans ce challenge-là qui n'est pas la restriction. Je veux bien manger pour atteindre la composition corporelle que je veux. Je veux m'entraîner fort. Je veux faire des efforts aussi. Mais par contre, je ne veux pas me priver. Si j'ai l'envie, comme je dis, de prendre un verre d'alcool, je vais simplement le mériter. Donc, j'espère que ça peut-être vous... ça vous engage à rien de votre côté. Si vous avez envie de suivre ça avec moi, comme j'ai dit dans la description de la vidéo, vous allez retrouver mon workout. Dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, on va regarder ensemble une journée typique de mon alimentation suivant maintenant le nouveau modèle que je veux suivre pour le challenge. Donc, si je répète, s'il y en a qui veulent suivre le tout avec moi et tenter l'expérience, écrivez-moi dans les commentaires, on pourra faire le tout ensemble. N'oublie pas de m'ajouter sur Instagram pour suivre un petit peu plus le challenge aussi, sambé-fitness, et rentrez en contact avec moi, j'ai toujours un plaisir de parler avec vous. On repart YouTube en force, tabarnak! Donc, on se donne au maximum. Un grand merci pour vous de suivre la chaîne depuis très longtemps, malgré que je n'ai pas publié depuis plusieurs mois. Vous avez été plusieurs à suivre mes vidéos. J'ai vu les vues augmenter assez drastiquement, donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est toujours un plaisir. Et nous, on se voit la semaine prochaine, très bientôt. Je vais faire plein de vidéos, Calis. Ciao, guys!